bien, premier matin où on se lève depuis qu'on est parti sous la pluie. Et ça a duré toute la nuit. Bon ben voilà, hein, un petit déjeuner sous la pluie. Et la pluie, elle s'accentue de plus en plus. Donc j'ai dû aller chercher le café dans la tente de pierre parce que j'ai plus de gaz. Mais mon café est là. Et les brioches de Simone et de Ricou. C'est le bordel! Oh Sophie, comment ça va? T'as l'air très tiré ce matin! T'as un œil qui dit merde à l'autre! Eh bien, je profite d'être bloqué pour l'instant sous ma tente en attendant que la pluie se calme pour lancer un appel à nos amis suisses éventuellement. C'est-à-dire que, comme tu le sais, tous les jours, je diffuse une vidéo par jour sur YouTube et j'ai besoin de beaucoup de données, beaucoup de gigas. Et je cherche donc une carte prépayée, un système de carte prépayée avec beaucoup de gigas. Environ 150 à 200 gigas pour un mois. Et je sais qu'en Espagne, j'en avais trouvé. Et je voudrais savoir si en Suisse, il existe le même système de cartes prépayées sans abonnement que je puisse mettre dans mon téléphone pour pouvoir continuer à vous proposer des vidéos tous les jours. Sinon, je vais être bloqué parce qu'avec mon forfait Free Mobile, j'ai droit qu'à 25 gigas par mois en Europe. Et il faut savoir qu'une vidéo prend environ, entre 4 et 5 gigas environ. Donc ça voudrait dire que je pourrais tenir que 5 jours en vidéo, alors que la traversée de la Suisse, c'est au grand minimum 10 jours. Donc voilà, s'il y en a qui ont un petit truc ou savoir où c'est que je pourrais me procurer ce genre de carte, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire. Merci. Voilà, j'ai trouvé un système avec mon bâton de marche pour essayer d'agrandir un peu mon auvent. Le Pierrot, il est toujours là-bas. Il pleut toujours. Et puis, tu sais, quand tu as le temps et quand tu randonnes, eh bien, quand il pleut comme ça, ça ne sert à rien de remballer sa tente toute mouillée parce que tu ne pourras pas la faire sécher puisque tu vas la remballer quand il pleut. Donc, eh bien, tu attends que ça se passe. Comme là, par exemple, normalement, ça doit se calmer vers 14 heures. Donc, on n'a pas le choix. On préfère marcher dans de bonnes conditions et avancer tranquillement, mais sereinement. Voilà la petite leçon du jour. Il pleut toujours. T'offres contre les éléments. Première. Alors, quand il pleut, que t'as envie de pisser et que t'as oublié d'ouvrir les ventilations sur ta tente, eh bien, avant de sortir, tu visualises ce que tu vas faire. Donc là, dans un premier temps, je sors, j'ouvre les ventilations, priorité numéro 1. C'est mouillé de partout. Numéro 2, je te donne ce que j'ai à te donner. Eh bien, comme tu peux le voir, on est toujours installé là-bas au fond, à côté de la chapelle. Mais là, j'en profite avant qu'il repleuve, parce qu'apparemment, là, il se remet à pleuvoir. Il est 15h et donc, vu le temps d'aujourd'hui, on a pris la décision, Pierre et moi, de rester planter la tente ici de façon à repartir demain. Apparemment, les prévisions météo de demain sont favorables. C'est pas optimal, mais c'est favorable par rapport à aujourd'hui. Et comme ça, on va pouvoir vraiment se reposer une journée supplémentaire. Et comme ça, demain, on pourra avancer.
et entamer en fait la Suisse et ses reliefs montagneux dans de bonnes conditions. Et puis, je vais te présenter après tout de suite mes nouvelles chaussures que Riku et Simone m'ont rapportées là il y a quelques minutes. Et ça aussi, ça va contribuer à repartir du bon pied, c'est le cas de le dire. Voilà, la pluie a cessé, mais il est 18h, avec notre campement qui est toujours là, la petite chapelle qui est là. Une belle petite vallée en contrebas. D'ailleurs, demain, nous repartirons par le petit chemin qui est là. Nous descendrons à pic et nous remonterons en face vers Foucheran. Regardez, dans une grotte, j'ai retrouvé le tombeau de Toutankhamon. Ah, la momie est vivante! Voilà, je tiens à te montrer d'abord mes nouvelles chaussures. Bon, c'est les mêmes, hein? Il n'y a que la couleur qui change. C'est couleur expresso. C'est une sorte de marron. Et ça va me faire drôle de remettre des chaussures neuves. Regarde un peu la semelle, comme elle est nickel. Franchement. Voilà. Donc, demain, on repart du bon pied. Un petit cadeau pour compléter cette vidéo. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés à ma page Facebook et Instagram, dans lesquelles je mets pas mal de photos bonus, voici tout de suite un petit résumé de nos 48 premiers jours sur la Via Francigena sous forme de photos. Voilà, il y en a peut-être certaines qui te rappelleront des souvenirs. Voilà, pour ce soir, on est juste à l'entrée de la chapelle, c'est pour ça que ma voix résonne. Et ce soir, on finit nos petits sandwichs qu'on avait achetés il y a 2 jours.
Et puis voilà, je pense qu'on va se coucher tôt parce que je pense qu'on avait besoin de repos supplémentaire aujourd'hui parce que ce matin, après le réveil, je me suis rendormi, Pierre aussi, et cet après-midi, on a fait également une sieste. Donc si tu dors, c'est que tu as besoin de sommeil. Donc je pense que demain, on va voler vers les étoiles, je pense. En tout cas, bon appétit. Et puis désolé aussi pour la vidéo de hier, puisque même à l'heure où je tourne ça, eh bien la vidéo est toujours en cours de mise en ligne sur les serveurs de YouTube, parce qu'ici il y a très peu de réseau. Donc peut-être que demain tu en auras deux en même temps. Va savoir. Eh oui, voilà. Nous sommes à nouveau dans la tente. On va se coucher tôt pour que demain on soit vraiment au top de la forme. Au niveau du temps, demain matin, ça va, il ne pleut pas. Donc demain, on va essayer de se lever tôt pour se rapprocher un peu plus de la Suisse. Et demain soir, on doit aller voir à nouveau un nouvel abonné. Décidément, vous êtes vraiment top, vous les abonnés, parce que vous répondez toujours présent quand j'ai lancé l'invitation pour aller dormir chez vous, un peu comme la série télé. Et en Suisse également, on a aussi à peu près 5-6 invitations de prévues en Suisse. Donc, vous êtes top, franchement. Donc, eh bien, voilà, je suis déjà dans mon duvet. Et puis, eh bien, désolé encore une fois pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est les éléments étaient contre nous et puis on avait besoin de repos. Hein, parce que je te le rappelle, avant d'arriver chez Ricou, on avait marché plus de 40 jours sans se poser une seule journée. Donc voilà, c'était peut-être un signe du ciel, on ne sait pas, à côté de notre chapelle qui nous disait, ben, il pleut, donc reposez-vous encore. Ça, je crois au signe. Donc, eh bien, merci encore à toi pour avoir regardé cette vidéo. Et puis, plein, plein de gros bisous à vous toutes et à vous tous. Et puis, ben à demain, hein, pour le jour 49, je crois, maintenant, oui. Et voilà. Donc, ciao, à demain.